de la tombe. Oulé. C'est ça. Tu me dis quand tu me vois. Je parle très près du micro, comme ça on m'entend pas, on se moque pas de moi. Parce qu'on était harcelés à l'école. Ça se passait pas super bien les CM2. Mais bon, j'espère que ça s'améliorera. En tout cas, ça va toi? Je suis en train de bosser sur un EP là en ce moment, mec. Tu m'en diras des nouvelles. Hein. Voilà. En attendant, je crois que vous me voyez vraiment en direct. Donc, merci de nous rejoindre. Et. C'est bon? Parfait. Tout le monde a écouté ma vie maintenant, on va pouvoir travailler. Là-bas, vu comme c'était fait, mais on aurait été trop près si on avait une caméra. Donc en fait, ce que c'est que si c'était Blaise. Parce que j'ai téléchargé les 3 ce matin, faut juste. Du coup, c'est planche 1, planche 2, planche 3. Ok, c'est parfait. De toute façon, il y a toujours l'une d'entre vous, sachant qu'il n'y a qu'à un seul moment où vous êtes 3, qui pourra nous dire à quel moment on échange dans le pire des cas. Non? Ah, vous êtes toujours toutes les 3 du coup. Ah, bah oui, sur votre moment, je suis con, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui passent. Je te focus comme quoi il n'y avait que vous. D'accord. Ça peut faire du coup.
pas le flux du GH5. Ça fait tout noir. Normal. 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 Ah, c'est c'est après l'atelier. Ok, bah c'est bon alors. Donc on a l'exposition, le titre de la présentation, la présentation, présentation de l'atelier, et ensuite l'épreuve. Ok, c'est parfait. Quand je tape, il y a le clip aussi qui marche. Pourquoi moi, mon clip, ça marche pas? Attends, j'ai ça qui est pas ouvert. C'est bon. Vas-y, tape. Non, ça marche pas. Non, ça marche. Non, non, mais c'est parce que les drivers sont pas installés, donc il n'y a qu'un seul micro qui fonctionne. Il n'y aura qu'un micro, je pense. Si on n'arrive pas d'ici là, mais vu que ça commence 5 minutes, à la limite, c'est peut-être même plus simple que de se le passer. Donc voilà. Bon, tant pis. Tarantino. Le clip de Nightmare de Polar est sorti. J'ai pas mon t-shirt, mais. Ouais, ça me dérange pas. Je fais un mot. Je fais. Au plein cœur de la région Auvergnate.
ou pas? Ouais, je prends un.
Bien. Merci et bonsoir. Donc, je voulais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité à l'inauguration de cette exposition donc consacrée à la bande dessinée et la guerre civile donc d'Espagne. Je tiens vraiment à vous féliciter d'avoir réussi à mener ce projet à bien dans les circonstances difficiles que l'on connaît maintenant depuis un an. Donc c'est un projet qui a impliqué trois étudiantes d'études franco-allemandes de deuxième année, qui s'est fait en coopération bien sûr étroite entre le département d'espagnol de LCC, le service universitaire de la culture, le CELIS, également la bibliothèque universitaire et le site de Jargovia, le CHEC également, me semble-t-il, j'espère que je n'oublie personne, avec le soutien logistique d'Alicia Cuerva, qui n'est pas là ce soir, mais qui nous rejoindra peut-être. Bref, tout ceci pour vous dire que c'est vraiment une belle réussite et que je crois que vous pouvez en être fiers. Ça représente beaucoup de travail dans les conditions difficiles que j'ai déjà évoquées. Et je vais peut-être vous laisser maintenant la parole pour justement nous présenter plus amplement votre projet. Bonsoir à toutes et à tous. Dans ces circonstances particulières, nous tenons à vous remercier de suivre en direct l'inauguration de notre exposition. Nous sommes quatre étudiantes en deuxième année de licence études franco-espagnoles à l'UFR Langue, Culture et Communication de l'Université Clermont-Auvergne. Je m'appelle Lise et voici Or et Louane. Le quatrième membre de notre équipe, Bénédicte, ne pouvait pas être avec nous ce soir car elle est confinée sur l'île de la Réunion. Cette année, dans le cadre de notre cursus, nous avons eu l'opportunité de concevoir un projet culturel encadré par Madame Urdition. Nous avions carte blanche quant au thème et à la forme, néanmoins notre projet devait être en lien avec la culture hispanique et respecter un cahier des charges précis. Nous nous sommes réunis toutes les quatre, car nous voulions travailler sur l'univers de la bande dessinée espagnole. Un univers que nous ne connaissions pas en détail, notre champ de vision étant réduit à la bande dessinée franco-belge. Nous voulions que notre projet soit en lien avec la médiation historique et l'histoire espagnole contemporaine. Heureuse coïncidence, le ministère de la Culture avait déclaré que 2020 serait l'année de la bande dessinée. Le contexte local était également propice à notre projet. En effet, nous avons collaboré avec Madame Alary du CELIS et Monsieur Pichon du CHEC, qui ont organisé la journée d'études Mémoire et Histoire dans la bande dessinée, mais également avec les étudiants et étudiantes de première année de licence LLCER de l'atelier BD, de l'UFR Langue, Culture et Communication et du service Université Culture, encadré par Madame Alary et Madame Cuerva. Pour concevoir notre projet de médiation historique, nous avons lu et apprécié quelques grands noms de la bande dessinée espagnole. Nous avons donc décidé d'entreprendre cette exposition sur l'exil républicain, un épisode important qui fait suite à la guerre civile espagnole. Nous avons souhaité retracer le travail de mémoire que le 9e art a entrepris et rendre hommage à ces milliers de réfugiés anonymes, soldats comme civils, qui ont franchi la barrière des Pyrénées dans de terribles conditions dès 1939. Pour ce faire, nous avons choisi de mettre en lien les planches d'étudiants de l'atelier BD et les planches de professionnels qui se faisaient écho. Ce parallèle nous a paru extrêmement enrichissant parce qu'il faisait ressortir les différentes sensibilités artistiques que cet épisode provoque, que ce soit chez les professionnels de la bande dessinée ou chez des étudiants qui commençaient à peine à toucher à cet art. Nous sommes soulagés et très heureuses que cette exposition puisse voir le jour à la bibliothèque universitaire de Jargovia, malgré toutes les contraintes que la crise sanitaire a entraînées. Nous adressons nos remerciements à l'Université Clermont-Auvergne, l'UFR Langue, Culture et Communication,
l'UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines, le service Université Culture, le Centre de Recherche sur la Littérature et la Sociopoétique, le Centre d'Histoire, Espace et Culture, la Bibliothèque Universitaire de l'UCA et la Maison des Sciences de l'Homme. Nous souhaitions également remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué à l'existence de ce projet. Stéphanie Urdissian, Viviane Allary, Alicia Cuerva, Blaise Pichon, Evelyne Ducrot, Michel Durot, Sylvie Delot, Pauline Fondard, Frédéric Lazuec, Emmanuel Catelot et Nathalie Mijignac, ainsi que les étudiants et étudiantes de l'atelier BD qui nous ont permis d'exposer leur travail. Je vais maintenant donner la parole à la responsable de cet atelier, Viviane Allary. Merci. Alors, merci de me donner la parole. Alors, donc, je vais vous parler de l'atelier qui s'inscrit en fait dans les actions, vous l'avez rappelé, les actions BD 2020 qui est devenue BD 2021. Les actions que nous avons autour de la BD dans l'Université Clermont-Auvergne et qui ont été un peu freinées en effet par la pandémie, mais bon, on a réussi quand même à avancer. Donc, nous avions prévu deux ateliers, un atelier qui devait se faire encadrer par Blaise Pichon et un dessinateur, et puis qui n'a pas pu se faire. Et l'autre atelier, donc, l'atelier bande dessinée sur l'exil espagnol, avec des étudiants de première année, et encadré par moi-même et Alicia Cuerva. Et donc, cet atelier, en revanche, a pu se faire. On a commencé à travailler au mois de février, voilà, à la salle Guy Vigne, dans des conditions idéales. Un groupe de 10, au départ 11, 12, donc de façon régulière 10 étudiants. On a travaillé avec Alicia, d'abord le duo, ça ne pourrait pas se faire sans ce duo. C'est-à-dire un duo, moi, enseignante-chercheur, spécialiste de la bande dessinée, surtout, ce n'est pas tellement enseignant-chercheur, c'est surtout la bande dessinée, pour le coup, et Alicia Cuerva, qui est illustratrice. J'ai pu voir à quel point ce duo était nécessaire pour mener à bien ce genre de travaux. On a commencé, donc, on devait travailler, enfin, on était vraiment, on voulait faire quelque chose de très ample, travailler de très approfondi. On voulait travailler sur le témoignage, sur l'exil espagnol à Auvergne et à Clermont. Donc 24 heures, ça ne suffisait pas pour tout faire. Là, on a appris aussi à resserrer un peu, à travailler sur des témoignages, mais des témoignages qui avaient déjà été récupérés par des étudiants des études franco-espagnoles l'année passée. Donc, ça donnait déjà des sources à exploiter. Évidemment, des articles, parce que les étudiants de première année n'ont pas eu trop de cours sur le sujet. Donc, des articles de recherche, travailler sur des ateliers aussi qui se font, enfin, sur des recherches un petit peu Internet. Et puis, il y avait d'abord ce fond sur l'exil espagnol, ce contenu, on va dire. Et ensuite, il fallait travailler aussi sur la bande dessinée. Et là, moi, je travaillais plutôt du côté du scénario. Qu'est-ce qu'un scénario ? Écrire un scénario, c'est très compliqué. Donc, ça nous a fait travailler le français et l'espagnol. Les ébauches, les storyboards, les crayonnés, tout dépendait un petit peu de la sensibilité de chacun. Petit à petit, chacun s'est déterminé en fonction, chaque étudiant s'est déterminé en fonction de son ressenti. On a fait quelques séances en bibliothèque. On a eu droit, enfin. Les bibliothécaires nous a amené le corpus de bande dessinée nécessaire pour qu'on n'ait pas à se déplacer partout. Là, ça, c'était pas possible non plus.
Des étudiants ont trouvé leur inspiration dans les bandes dessinées existantes, dans le corpus, ce qui est quand même important. Ils ont travaillé suivant leur inspiration et en même temps en imitant un petit peu des deux et en avançant. C'était la première année que nous faisions cette tentative, cet atelier. Et ma foi, je suis très, très contente du résultat parce que les étudiants, dans des conditions difficiles pour eux, parce qu'ils n'avaient pas de cours, puis ils avaient un cours, on ne savait jamais sur quel pied danser. Mais ils sont restés motivés jusqu'au bout et ils savaient que le bout, c'était qu'il fallait arriver à un résultat où, de toute façon, c'est jamais terminé. Donc, il fallait arriver quand même à des ébauches, à des travaux préparatoires. Et donc, je vais quand même énumérer les prénoms de ces étudiants qui nous ont fait vivre de bons moments. Lydie, Gabriella, Cyrine, Fatima, Laetitia, Widan, Zaïda, Antoine, Alix et Amani. Donc, vous verrez certaines de leurs planches, peut-être pas toutes, qui traitent donc l'exil espagnol. Voilà, je pense qu'ils ont... ça a été aussi intéressant pour eux d'un point de vue de leur pratique artistique et de savoir que si on a les éléments, on peut arriver en fonction de sa motivation surtout, je pense, on arrive à travailler un scénario et on arrive à créer un récit en bande dessinée. Tous ne sont pas égaux en qualité, en contenu, mais ils ont tous rendu quelque chose, donc... Nous en sommes très, très heureuses avec Alicia, qui n'a pas pu être là ce soir. Je pense que pour elle aussi, c'est très important et c'est une réussite. Voilà. Et je vous remercie parce que la coordination avec l'équipe de L2 s'est très bien faite. Ça s'est très bien passé aussi. Voilà. Merci. Pour terminer cette inauguration, nous vous proposons un avant-goût de l'exposition. La planche qui s'affiche à l'écran est la première que vous rencontrerez lors de votre visite. Elle est tirée de la bande dessinée Asylum de l'auteur espagnol Javier de Issoussi. Elle met en avant le lien qui existe entre la guerre civile et l'exode massif qui en découla dès 1939. Nous pouvons voir une grand-mère qui raconte à sa petite-fille sa jeunesse dans une Espagne déchirée. Cette idée de transmission est au cœur de tous les travaux présentés dans l'exposition, qui cherche à faire connaître cet épisode et contribue à ce qu'il ne tombe pas dans l'oubli. Après des années de silence, ce travail de mémoire semble essentiel pour ne pas répéter les atrocités commises dans le passé. La bande dessinée Asylum mêle d'ailleurs exil d'hier et d'aujourd'hui en présentant des hommes et des femmes contraints encore de nos jours à quitter leur pays pour échapper à la violence. Guerre, mariage forcé, homophobie ou encore esclavage sexuel, les exemples sont multiples et les réfugiés encore très nombreux de nos jours. Cette deuxième planche a été dessinée par Antonia Santolaya dans l'album Winnipeg. Ce dernier raconte l'histoire du poète Pablo Neruda qui a affrété un navire destiné à permettre l'exil par la mer de nombreux républicains restés en Espagne. La planche est inspirée d'une célèbre photo de l'exode républicain. Elle a été prise à la frontière entre la France et l'Espagne le 15 février 1939. Face à l'afflux de population, la France a mis en place des barrages aux frontières afin de filtrer les exilés. De nombreux camions sont restés bloqués pendant de longues heures, comme en témoigne la planche ou encore la photo que je vous invite à aller voir. La planche que je vais vous présenter à présent est issue de la bande dessinée « L'art de voler », scénarisé par Antonio Altarriba et illustré par Kim. Cette bande dessinée narre le récit d'un homme de 90 ans qui se remémore par flashback son histoire dure et émouvante dans l'Espagne de la guerre civile et du franquisme.
Cette planche fait suite à l'épisode de la Retirada et montre que de nombreux camps d'internement improvisés sont construits, en particulier dans le sud de la France, pour parquer les réfugiés espagnols. La planche fait référence à la plage de Saint-Cyprien, située au sud-ouest de la France, où un camp a été mis en place, à même le sable, par les autorités françaises, très hostiles aux réfugiés. Ces derniers sont triés et utilisés comme main-d'œuvre pour construire ce camp, dans des conditions extrêmement précaires. Nous espérons que cette exposition suscitera votre intérêt. Vous pouvez venir la visiter à la bibliothèque de Gergovia jusqu'au 8 octobre prochain. Un grand merci d'avoir suivi cette inauguration en direct et je vous souhaite une belle fin de soirée.